avons tout au long de cet après-midi ouvert le CESE à des associations, à tout un ensemble d'acteurs qui participent de la francophonie, que ce soit l'éducation nationale, le sport qui était bien représenté, mais également les livres bien sûr, tout un ensemble de présents, des artistes qui ont fait une exposition, donc Jeanne Bi bien sûr, qui nous a prêté un tableau pour l'affiche de la francophonie dans tous ses états au CESE. La journée de la francophonie est une journée d'échange et c'est une journée intéressante parce que j'ai entendu un conteur, parce que je suis allée parler avec l'artiste Bouka, parce que j'ai parlé avec les APF, les associations parlementaires, parce que j'ai découvert l'université, puis j'ai parlé aussi avec une femme qui est une agence de communication qui est à Dakar et qui s'occupe de l'emploi et la circulation des jeunes talents au sein de la francophonie. C'est multiple, riche, et je trouve que d'année en année, ça gagne en texture, en force et en combinaison des talents et des expertises. Et en plus, il y a quelque chose de joyeux et de spontané. C'est bien d'entendre chanter, c'est merveilleux d'entendre compter. Donc on a les stands, on a les danseurs, c'est multiple, foisonnant, heureux, chaleureux. Ce n'est pas quelque chose de trop composé et de trop attendu. Il reste dans cette organisation très bien pensée une vraie spontanéité. Cet après-midi, nous avions décidé d'ouvrir le CESE à la jeunesse et aux plus jeunes finalement, puisque nous avons reçu près de 150 élèves qui ont accepté avec leurs accompagnants de faire la dictée du Conseil économique, social et environnemental. C'était un beau moment de partage. L'objectif, ce n'était pas d'être le meilleur, l'objectif, c'était de participer, c'est de le faire avec, je dirais, joie. Et nous avons été accompagnés pour cela des champions du monde de lecture rapide. Et c'était là aussi une découverte. Et donc, nous avons passé un très bon moment. Nous avons également accueilli les collégiens et lycéens sportifs qui sont actuellement à l'INSEP, qui donc se préparent. Et peut-être nous avions dans cet après-midi à l'hémicycle les futurs champions de Paris 2024. Je pense que c'est vraiment une occasion pour augmenter nos chances de connaître des autres réseaux francophones, des autres associations, donc de pouvoir encore plus améliorer, intensifier nos partenariats. Et on est vraiment dans l'optique d'un échange avec tous les acteurs politiques et tous les acteurs citoyens francophones. La francophonie, c'était important de montrer l'étendue de ce que ça englobe. Ce sont des très jolies choses et parfois ce sont des situations un peu plus tristes. Comme la situation de ces enfants talibés, qui sont des enfants du Sénégal, des enfants qui mendient dans les rues, dont le sort malheureusement n'est pas enviable du tout. Et je trouvais ça intéressant, quand cette journée-là, de mettre la lumière sur eux de façon internationale pour dire qu'on ne les oublie pas et pour donner une identité qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont pas au quotidien. La francophonie, c'est d'abord un espace avec une langue en partage, des valeurs, mais aussi beaucoup de nouveaux projets. La promotion de la langue, de la culture, de la démocratie, des droits, mais et surtout aussi la solidarité et la coopération pour des projets communs qui peuvent porter sur le numérique, sur la jeunesse, sur la promotion donc de la langue, de la culture, la lecture, les centres de lecture. Voilà, la francophonie, ce n'est pas simplement une abstraction, ce n'est pas un espace, ce n'est pas une idée. Ça a commencé comme une idée ou même comme un projet, mais c'est aussi une réalité. Nous, on va agir premièrement au niveau parlementaire, mais le Parlement étant l'expression de la volonté citoyenne, c'est aussi une façon en fait de nous impliquer pour améliorer au quotidien la vie des personnes. Donc en multipliant les partenariats, en multipliant les actions ciblées des façons communes avec les institutions publiques, mais aussi avec les associations francophones et tous ces acteurs-là. Il faut que la francophonie soit encore plus dynamique pour que le maximum de personnes en Afrique continuent à parler français, mais pour rendre plus proche des citoyens, il faudrait qu'on crée des systèmes de théâtre qui peuvent raconter l'histoire du français déjà aux gens dans les villages plus reculés, qu'on crée des troupes qui montrent avec des scénarios français pour que dans le quotidien, dans le parler, on sente le français, mais aussi dans le loisir, qu'on sente le français.
La littérature francophone et un événement tel que celui d'aujourd'hui n'exclut personne. C'est un événement majeur qui est transfrontière. C'est un moyen de véhiculer des valeurs d'humanité, de partage, de fraternité et surtout une occasion inespérée de sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui à ces valeurs-là. Et plus que jamais, il faut conjuguer les diversités de façon harmonieuse et une langue doit rassembler. Et le français, qui est une langue de nuances, peut rassembler les diversités, les compositions, en les harmonisant sans les éroder ou les aplatir. Dans le sujet de la francophonie, il y a la célébration de la langue, mais la célébration d'un état d'esprit, de la diversité et de la liberté. Le mot de français préféré en ce qui me concerne, c'est partage. Alors, je pense que comme je ne suis pas non plus française, et j'aime bien les mots multiculturels, parce que moi aussi je partage cette vision un peu multiculturelle. Écoutez, je pense que c'est le mot gratitude. On va dire démocratie. Volubile. Espoir et ensemble. Je dirais solidarité. C'est la France. C'est fraternité. C'est la liberté. La francophonie, c'est une fête. Et c'est ce mot-là que je retiendrai, la fête. Parce que c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous permet de partager avec nos différences, ce qui nous permet aussi de célébrer la beauté d'avoir une langue commune. Et avoir une langue commune, c'est pouvoir rire ensemble, c'est pouvoir s'aimer, c'est pouvoir se rencontrer, pouvoir partager des choses, se disputer aussi, débattre. Et donc j'aime la diversité que cette langue française nous permet, diversité à la fois des cultures, diversité des rapports humains. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse fête de la francophonie.